Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. François Chaplin, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Bonjour Philippe Bilger. Oui, je m'appelle donc bien François Chaplin et je suis concertiste pianiste et j'enseigne également le piano au Conservatoire National de Versailles. Cette passion vous est venue quand ? Alors, cette passion, oui, on peut dire que c'est une passion qui m'est venue. Peut-être pas tout de suite, la passion n'est peut-être pas venue les premiers mois. En tout cas, il y avait un piano donc dans l'appartement où on vivait. À l'époque, c'était à Dijon. Je fus un Dijonnais. Et donc, maman, en fait, est très mélomane. Et elle était issue d'une famille de... Son papa était militaire de carrière. Donc, avec une éducation extrêmement rigoureuse qui lui a interdit, on peut dire ça comme ça, ils étaient quatre enfants, de faire de la musique, de faire du piano. Et donc, évidemment, je crois que sa passion, c'était la danse. J'ai deux frères et une sœur, donc on est famille de quatre enfants. Et donc elle s'est mise au piano, mais bien plus tard, donc une fois même quand elle avait des enfants. Et donc le piano était dans l'appartement à Dijon. J'imagine que je pianotais certainement. Donc elle m'a mis au piano très rapidement. C'était des cours privés au départ. Je m'en souviens très bien d'ailleurs parce que je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Bon, c'était pas un prof extraordinaire et bon. Alors les premiers mois, j'avais pas vraiment. Je peux pas dire que c'était une passion. C'était d'abord, on sait toujours que les débuts sont toujours compliqués parce que il y a l'étude des notes, le solfège, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je me souviens de ce professeur qui arrivait en Porsche. Une vieille Porsche, orange, toute orange. Je sais pas, elle devait avoir la quarantaine, cette professeure, sûrement pas une grande pianiste, mais bon, elle donnait des petits cours comme ça aux jeunes enfants. Et puis, j'ai commencé le piano, et puis quand même très rapidement, au bout d'un an, j'ai commencé, je me souviens que c'était la méthode rose à l'époque, et il y avait une petite danse qui s'appelait la danse arabe. Et puis le mode arabe dans cette musique m'avait plu en fait, ça m'interpellait. Et puis voilà, progressivement, mon père a été muté à Paris, il travaillait dans le milieu de la pub. Et puis j'ai commencé donc à rentrer au conservatoire, je suis rentré au conservatoire de Boulogne-Billancourt, et puis aussi au conservatoire national de région de Versailles. Voilà, j'ai franchi toutes les étapes, et puis j'en suis rentré après au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. À partir de quand avez-vous senti que le piano allait devenir votre activité principale ? Ça, c'est une question en fait qui est toujours difficile. D'ailleurs, mes étudiants se posent souvent aussi la question : est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Est-ce que ça va vraiment ? Est-ce que c'était une passion évidemment à partir de l'âge de 12-13 ans. Je vivais vraiment avec mon piano, quoi. C'était mon confident. Mais même quand on rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, qui est pourtant un concours
horriblement difficile, hein, parce qu'il y a 10 places par an pour 350 candidats du monde entier. Et quand vous arrivez, vous êtes reçu à ce concours, vous dites ça y est, je suis arrivé, je vais devenir un pianiste, enfin je vais en faire mon métier. Mais vous vous apercevez très très vite que c'est simplement le début d'une étape et que le parcours il va être très très long en fait. Qu'est-ce qui est pourquoi cette sélection si difficile n'est que le début? Parce que tout de même, vous êtes 10 à être choisis, ça veut dire que il y a ailleurs des gens qui ont encore plus de talent que vous. Non, enfin, mais c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a beaucoup de talent, hein, c'est sûr que. Vous savez, c'est un concours en fait qui est très très difficile on se dit tous d'ailleurs quand on est passé par là, on se dit mais peut-être que 5 minutes après on aurait très très mal joué parce qu'il y a des tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, le track, si vous êtes très très bien préparé, mais c'est comme vous avez quand on prépare Sciences Po, j'imagine, vous avez des grandes écoles, parfois ça se joue à quelques points simplement, ou quand vous préparez médecine, et c'est pas pour ça que vous n'avez pas de talent. Simplement, c'est je crois beaucoup à une forme de destin en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a D'ailleurs, j'ai rencontré des talents, des talents, mais qui n'avaient pas été pris au Conservatoire de Paris. Ils avaient suivi un autre parcours. Et puis c'est pas toujours évident non plus de percer parce qu'il faut faire une grande école pour pouvoir accéder après aux concours internationaux, etc. quoi. Quand vous avez été dans les 10, ça a été une grande joie pour vous tout de même. Ah, c'était une immense joie et justement, je me suis dit mais ça y est, je suis arrivé quoi. Je me souviens d'une anecdote. C'était Jean-Michel Nectou que j'appréciais beaucoup, qui a écrit des bouquins extraordinaires sur Gabriel Fauré, qui ont été traduits dans toutes les langues. Et il me racontait une anecdote à propos du peintre. Je me souviens plus de son nom. C'est pas Maurice Denis, mais c'est Degas, voilà, le peintre Degas. Et alors on lui dit, c'est un journaliste qui lui pose la question, il lui dit, et donc il était évidemment très très connu à ce moment-là déjà, et c'était plutôt un type assez bougon, hein, le peintre. Et moi, j'adore d'ailleurs sa peinture. Et alors ce journaliste lui pose la question, mais maître, vous devez être tellement heureux, vous êtes arrivé, etc. Et il a commencé à devenir rouge comme une tomate et à s'emporter, à dire arriver à quoi? On n'est jamais arrivé dans ce métier. Et c'est vraiment c'est très vrai en fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais arrivé en fait. On n'est jamais. Et même quand vous avez ensuite, vous avez bien sûr quand vous êtes rentré en prix, il faut passer son prix. Il faut pouvoir sortir. Et donc je suis sorti avec un premier prix à l'unanimité, premier nommé. Je suis assez fier de ça. Je me souviens parce que c'était dans le. À l'époque, on annonçait les prix dans le journal Le Figaro. Donc j'ai vu que j'étais voilà. Et j'ai compris très vite qu'on n'était jamais arrivé en fait dans ce métier parce qu'on est en quête de perfection perpétuelle en fait. Et c'est un métier où c'est une remise en question à chaque fois. Je veux dire, à chaque concert, je me remets en question en fait. Et à chaque concert, j'ai le trac. Et à chaque fois, je dois retravailler même une pièce que j'ai beaucoup travaillée, que j'ai mûrie, que j'ai déjà jouée dans le passé. C'est une nouvelle lecture à chaque fois, et voilà. De quand date votre premier concert important, si j'ose dire? Premier concert important, en fait, c'est quand j'ai remporté le prix Robert Casadesus et le prix Mozart au concours de Cleveland. J'avais donc eu mon premier prix, puis ensuite je suis rentré en cycle de perfectionnement. Et en cycle de perfectionnement, vous préparez les grands concours internationaux. Pourquoi les grands concours internationaux? Parce que ça vous permet d'avoir des premiers engagements, justement, de concert. Et donc j'ai commencé à avoir, avec ce concours international, j'ai eu des
mes premiers engagements. Mais vous me rappelez une petite, justement, un premier concert. En fait, non, mon premier concert dont je me souviens vraiment, c'était quand j'étais encore étudiant au Conservatoire de Paris. J'étais en cycle de perfectionnement et j'ai joué le concerto en do mineur de Mozart, un des derniers concertos que j'affectionne particulièrement. Ça, c'était un premier concert qui m'avait marqué. C'était la salle Gaveau, d'ailleurs. Vous aviez quel âge ? J'avais 21 ans, je crois. 21 ans. Mmh. Et ensuite, ça a été une carrière, évidemment, internationale. À partir de quand ? J'ai bien compris qu'on ne se sait jamais arrivé, François Chaplin, mais tout de même, à quel moment avez-vous perçu que votre carrière avait pris un tour, j'allais dire, illustre, tout de même ? Que vous n'apparteniez pas aux pianistes ordinaires. Certainement même, quand j'ai commencé à enregistrer l'intégrale de l'œuvre de Debussy, qui fait quand même cinq volumes, cinq compacts, on m'avait proposé, donc j'avais déjà fait un ou deux disques en solo, donc un disque CPE Bach, un disque Scriabin, oui, et puis, et même Brahms d'ailleurs, mais ma carrière vraiment, enfin mon parcours musical, j'aime pas trop ce mot carrière, je trouve que c'est pas très joli, je trouve que ça sonne pas bien, mon parcours, voilà, mon parcours musical, mes concerts ont vraiment débuté avec ce début d'intégrale de l'œuvre de Debussy. Donc j'ai commencé à enregistrer en 2000, en fait. Et puis voilà, à partir de là, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des récompenses incroyables, enfin toutes les récompenses, vraiment, pour l'intégrale, que ça soit d'ailleurs en France ou à l'étranger. Et voilà, donc c'est un disque, ce sont des disques vraiment qui ont été marquants pour moi, qui m'ont permis vraiment de commencer à donner beaucoup de concerts. Comment choisit-on les compositeurs qui ont votre dilection ? Est-ce que c'est les goûts personnels qui déterminent l'adhésion ou bien vous avez un agent ? Je ne sais pas. Comment ça se passe concrètement ? Oui, j'ai un agent. C'est pas les goûts du tout parce que c'est surtout un goût, en fait. C'est le goût pour un compositeur que vous avez envie de défendre. Et moi, j'ai des goûts assez éclectiques, en l'occurrence. Et donc, j'ai enregistré vraiment beaucoup de compositeurs très différents. Donc, j'adore la musique de Debussy. D'ailleurs, j'y reviens maintenant parce que pendant 10 ans, j'ai pratiquement pas joué de Debussy, mais parce que j'ai enregistré beaucoup d'autres compositeurs. J'y reviens là maintenant, parce que je vais jouer là, au Festival Chopin, toute une série de préludes de Debussy. Mais oui, les choix, en fait, se font simplement en fonction des goûts, de nos affinités, en fait, de mes affinités. Et bon, je suis quand même quelqu'un de... Ouais, on peut dire romantique. Enfin bon, qu'est-ce que ça veut dire romantique ? En tout cas, j'aime la nostalgie, c'est vrai. J'ai un côté assez, je suis assez nostalgique. Donc j'aime le, voilà. Et puis les compositeurs. Donc c'est vrai que Mozart, c'est un compositeur qui m'a toujours énormément touché. Mais voilà, je joue aussi beaucoup Brahms, Chopin énormément, puisque j'ai enregistré l'intégrale des Nocturnes, les valses dernièrement, l'intégrale des valses, et les ballades aussi, les ballades de Chopin. Voilà, enfin, c'est vrai que les choix se font en fonction de ma sensibilité. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où la liste des compositeurs qu'on va jouer est arrêtée définitivement, ou est-ce qu'on découvre tout au long de son parcours des compositeurs qu'on a envie de jouer, qu'on découvre? Comment ça se passe? Ah oui, complètement. C'est au gré des lectures, au fond, parce que c'est pour ça que c'est très important. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'il faut il faut lire de même quand on lit la lecture, mais la lecture aussi des partitions, de nouvelles partitions, de nouveaux compositeurs, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui sont un peu moins connus qui méritent d'être défendu. C'est comme ça que j'ai découvert, Scriabine est un grand compositeur, évidemment, très connu, mais au
cours d'un voyage, c'était à Saint-Pétersbourg. Je rentre dans une boutique de partitions et je suis tombé sur les mazurkas de Scriabine. Et ce sont des pièces qui n'avaient jamais été enregistrées, ou je crois peut-être une fois. Scriabine est très connu pour ses sonates, ou ses poèmes symphoniques, etc. Mais je suis tombé sur cette partition et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est merveilleux. Donc j'ai enregistré ces mazurkas qui n'avaient pas été enregistrés, de même que j'étais un des premiers à enregistrer la musique de Carl Philipp Emanuel Bach, un des fils de Jean-Sébastien. C'est une musique incroyablement visionnaire, qui est la même chose, qui était surtout enregistré au clavecin, mais qui marche admirablement bien au piano, parce que c'est justement une musique visionnaire et que c'est une musique qui fonctionne très bien, qui c'est presque parfois du Beethoven, donc on imagine forcément que ça fonctionne très très bien au piano. Au fond, si vous deviez hiérarchiser votre parcours musical, quel est le compositeur avec lequel vous vous êtes toujours senti le plus à l'aise ? Vous avez évoqué Chopin, ce serait Chopin peut-être ? Je pense qu'il y en a plusieurs, au fond. Debussy, Chopin, Mozart. C'est peut-être le trio de tête. Chopin, c'est vrai, évidemment, parce que c'est un compositeur que j'aime particulièrement, évidemment. En fait, ce que je cherche, moi, toujours dans le piano, parce que quand on cite ces trois compositeurs, Debussy, Mozart, Chopin, Debussy voulait oublier, au fond, les marteaux. C'est un amoureux du bel canto, de Bellini, de ses grands opéras. Et donc, lui, il voulait toujours que le piano chante sans cesse, en fait. Et Mozart aussi, ce sont trois grands mélodistes, au fond. Ce qui m'attire beaucoup dans le piano, c'est le paradoxe, hein. C'est un instrument qui... avec des touches, avec des marteaux, hein. Mais moi, je cherche justement à les oublier, ces marteaux, et ces trois compositeurs réunissent ces qualités, voilà. À votre avis, dans tous ceux que vous jouez, quel est le plus difficile à jouer techniquement ? Chaque compositeur a sa difficulté. Mozart, on est complètement à nu. En fait, on est complètement à nu. Il n'y a pas une note en trop. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que parfois, dans Rachmaninoff, vous pouvez jouer de Rachmaninoff. C'est très beau. J'adore la musique de Rachmaninoff. Mais si vous enlevez une note, une ou deux, c'est pas un drame. Parce que c'est extrêmement fourni. Par contre, Mozart, vous enlevez une note, ça s'entend tout de suite que vous l'enlevez la note. Et donc, il y a beaucoup moins de notes, justement, que dans la musique de Rachmaninoff, qu'une musique plus polyphonique, c'est-à-dire avec plusieurs voix, ou la musique de Brahms aussi, qui est très orchestrale. La musique de Mozart, on est nu comme un ver. Donc, la moindre faute de phrasé, le moindre faux accent, ça s'entend immédiatement. Et la moindre faute de goût aussi, parce que le goût existe en musique, le bon goût. Ça me fait toujours sourire quand on me dit le goût, c'est une affaire de goût. Non, je pense que le bon goût existe, d'ailleurs dans tous les domaines, j'en suis persuadé. C'est trop facile de dire que c'est une affaire de goût. Non. Et dans Mozart, c'est vraiment très important de respecter l'accentuation, l'articulation. Donc c'est une musique redoutable, au fond, très redoutable, parce que il n'y a pas grand-chose, mais justement, on entend tout. Si vous faites une faute de phrasé, on l'entend. Chopin, c'est toujours bel canto. Donc, si vous, tant soit peu, que vous agressez une œuvre, enfin une ballade, un trait, même dans les traits virtuoses, et Dieu sait s'il y en a dans la musique de Chopin, il y a beaucoup de virtuosité, mais ce n'est jamais une virtuosité gratuite. Voilà. Elle peut l'être parfois dans la musique de Liszt, Franz Liszt, qui était un immense pianiste, une rock star, on pourrait dire aujourd'hui
dans le langage, quoi. Mais parfois dans la musique de Liszt, il y a beaucoup d'octaves. Bon, c'est pas phrasé de la même manière que dans la musique de Chopin, où c'est vraiment voilà, très chanté. C'est tout le temps bel canto. Voilà, c'est ça. C'est ce que pour ça que je dis à mes étudiants, faites attention quand vous jouez même un trait virtuose. Il faut toujours le chanter comme un chanteur, c'est-à-dire comme une chanteuse, par exemple, serait obligée d'attraper une note, un intervalle important. Et ben la chanteuse va chanter la note. Voilà. Et ben nous, il va falloir qu'on chante l'intervalle aussi avec avec notre main. Donc c'est une musique très difficile pour ça, en fait. Et souvent, malheureusement, de temps en temps, voilà, je peux dire ça, de temps en temps, c'est jouer trop virtuose, trop martelé, voilà, cette musique, alors que bon, ça ne l'est pas du tout. Et puis la musique et Debussy, voilà, bah c'est le, voilà, il cherchait, lui, à oublier les marteaux, il le disait, hein, d'ailleurs, il le disait, je cherche à oublier les marteaux. Et puis c'est une musique compliquée, ce sont des partitions compliquées parce que c'est très proche de la nature, au fond, la musique. C'est pour ça que c'est une musique qui me plaît beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très... ça me vient sûrement de mon enfance, d'ailleurs, parce que je me souviens que je passais chez ma grand-mère tous les étés à Barbizon. Elle habitait à côté, en bordure de la forêt de Fontainebleau. Et donc, tous mes étés, je les passais là-bas. Donc, la nature m'a beaucoup marqué. Et la musique de Debussy est très inspirée par la nature. Quand vous regardez tous les titres, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, le vent dans la plaine, ce qu'a vu le vent d'ouest. Tout ça, ce sont des titres très, très évocateurs. Et donc, c'est une musique qui fait appel à beaucoup de sens, au fond, et une musique très sensuelle. Et donc, il faut cette sensualité pour bien comprendre la musique de Claude Debussy. François Chaplin, vous avez évoqué vous-même Liszt, et j'allais vous demander, dans la mesure où il a été lui-même un formidable pianiste, est-ce que ça n'était pas lui qui avait créé les pièces peut-être les plus difficiles à jouer techniquement ? Il a créé en effet des montagnes, notamment les études transcendantes, rien que déjà le titre. Ce n'est pas plus difficile que la musique de Chopin. Et je dirais même que la musique de Chopin est peut-être plus difficile que celle de Franz Liszt, pour les raisons que je viens de dénoncer, en fait. La musique de Liszt, c'est vrai... En fait, pour le public, peut-être qu'elle fait davantage d'effet, au fond. C'est-à-dire parce qu'évidemment, il utilise tout un artifice, les octaves, donc ce sont des notes conjointes, donc les octaves, des traits en double note, etc. Mais Chopin aussi utilise ces procédés, mais d'une manière peut-être avec plus de poésie, au fond, et plus chanté, donc ce sont pas les mêmes rendus, au fond. Et donc ce sont deux difficultés très c'est très différent, au fond. Vous avez évoqué la difficulté de jouer Chopin, par exemple. Est-ce que il vous est arrivé durant des concerts de sentir que vous veniez de commettre une erreur? Et dans ce cas-là, comment la domine-t-on? Est-ce que on arrive à ne plus y penser? Est-ce que les doigts continuent leur rythme talentueux? Comment ça se passe concrètement? Ouais, c'est comme moi, j'ai travaillé avec pas mal de comédiens. Parce que de temps en temps, j'aime bien associer des lectures de textes. Je l'ai fait beaucoup avec Debussy, notamment avec le comédien Didier Sandre, la Comédie française, que j'aime beaucoup. Samuel Barthes, La Barthes aussi. On a fait pas mal de choses. Brigitte Fosset. Et il me racontait, et puis bon, pour les avoir aussi entendus au théâtre, ça peut arriver. Il me racontait qu'on oublie un mot. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on joue, et si on oublie une note, vous avez tellement, en fait, la partition en tête que, bon, vous allez vous rattraper. En effet, vous allez faire une erreur. Mais bon, d'abord, le public ne l'entend pas toujours. Et puis, s'il l'entend, il va vous pardonner. On n'est pas là, en fait, on n'est pas au cirque, en fait. On n'est pas là pour voir tomber le pianiste. Mais c'est vrai que
La difficulté, et ce que j'enseigne aussi à mes étudiants, c'est de pouvoir, en effet, se rattraper. C'est-à-dire ne pas... parce qu'il m'est arrivé d'entendre... C'est affreux de voir un étudiant qui passe un concours s'arrêter et puis ne pas pouvoir continuer. Et donc, il faut travailler ça. C'est-à-dire de savoir... continuer, quoi qu'il arrive, et de trouver une porte de sortie, parce qu'on en trouve toujours sur le plan harmonique. C'est pour ça que c'est très important de travailler la mémoire harmonique et de savoir sur quel accord vous vous trouvez, quelle harmonie, si vous êtes en mi bémol majeur, si vous êtes en mi mineur, si vous passez en fa mineur, etc. Bon, ça vous permet de trouver de retrouver le chemin, au fond. Voilà, c'est tout. Donc, c'est important d'analyser la partition afin de ne pas avoir de gros trous de mémoire. Mais les trous de mémoire, on en a tous. Ça arrive, c'est vraiment... Et c'est pas un drame. C'est pas un drame. J'en faisais un drame, moi, à mes débuts, mais maintenant, non. Alors, moi, j'ai pris le parti, maintenant, de jouer tout par cœur. Alors, c'est vrai que de toute façon, quand on était étudiant en conservatoire de Paris, donc là j'étais d'ailleurs, c'est amusant parce que j'étais de l'autre côté de la barrière, parce que j'étais du jury pour les sorties du conservatoire, et on joue tout par cœur. C'est une réelle difficulté. C'est vrai qu'on se met une pression terrible. Mais les comédiens aussi. Hein. Avant, il existait les souffleurs sur scène au théâtre. Je crois que ça n'existe plus vraiment. Nous, on n'a jamais eu de souffleurs. Ça serait un peu trop compliqué. Mais c'est vrai que moi, je me sens... J'ai essayé de jouer avec partition. Je me dis, voilà, comme ça, je n'aurai pas trop de mémoire, je n'aurai pas de pression, et je pourrais m'engager totalement dans ma musique. Et le paradoxe, c'est tout le contraire, en fait, qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à être dans la musique, à interpréter vraiment au-delà des notes, parce que j'étais devant ma partition. Et ça, je me suis dit, non, plus jamais, parce que je préfère avoir un trou de mémoire, jouer tout par cœur, me rattraper, parce que c'est pas grave, le public vous le pardonne toujours, j'ai l'impression que je vais vraiment beaucoup plus au fond de l'interprétation, vraiment, et au-delà du texte, vraiment. C'est vraiment important, c'est de sublimer l'œuvre et pas simplement être avec ses notes, simplement. C'est comme si, au fond, la partition elle-même pouvait être une limite. Alors que sans partition, par cœur, on donne presque l'impression d'inventer. Mais complètement. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de recréer, en fait, l'œuvre. C'est-à-dire que se dire, c'est une première. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans l'interprétation, c'est qu'il y a beaucoup de formes d'interprétation, beaucoup d'interprétations différentes, et chaque personnalité apporte sa touche personnelle. Il apporte sa touche personnelle à condition de respecter ce que le compositeur a écrit. Et c'est ce que je dis toujours aussi à mes étudiants, c'est-à-dire que on ne peut pas jouer Mozart comme du Chopin ou du Chopin comme du Prokofiev. C'est pas possible. Donc, voilà. Mais par contre, voilà, en effet, l'interprétation, le fait de jouer par cœur vous permet d'aller très très loin et de recréer l'œuvre comme si c'était la première fois. Ce qui est amusant, c'est que vous allez, vous jouez une balade de Chopin 3 jours avant, vous la rejouez 4 jours après, vous allez la jouer, je dis pas complètement différemment, mais avec avec un regard différent, en fonction de votre sensibilité du jour, de vos problèmes du jour. C'est assez assez incroyable, je trouve, que l'œuvre, en fait, continue à vivre à travers toute forme d'interprétation. Mais est-ce que, je sais que c'est une question qu'on pose souvent, mais est-ce qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait 1000 manières de jouer tout de même certains compositeurs, alors que la partition demeure la même sous les yeux du pianiste? Comment peut-on dire, et pourtant c'est exact, vous venez de le confirmer, qu'il y a plusieurs manières de jouer Chopin, alors que la partition est la même pour tout le monde? Oui, mais c'est ça, c'est le miracle justement d'une partition, c'est que la partition, quand vous regardez les notes, évidemment, elle est la même pour tous.
pour tous. Et, mais ce n'est pas... C'est pas, ce n'est pas la même... les notes entre elles sont différentes, en fait. C'est-à-dire que vous avez... Tout le monde ne va pas avoir, en fait, le même rubato, par exemple. Bon, le rubato, ça vient de rubare, c'est voler le temps, en fait. Hein. On achète du temps, mais il faut le rendre, le temps. Donc, on ne va pas avoir le même rubato, on n'aura pas tout à fait le même phrasé, même si ça doit rentrer, encore une fois, dans le cadre de ce que le compositeur a souhaité. Donc, ne pas aller au-delà non plus, parce que là, ça devient ensuite, ce n'est plus du Beethoven ou du Chopin, si on déforme en fait le texte. Il faut, en fait, les difficultés, c'est qu'il ne faut pas déformer outre mesure. Voilà. Mais on peut se permettre, c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs, parce que sinon, il n'y aurait dans ce cas-là qu'un interprète, et puis voilà, il y aurait plus d'interprète en fait. Ça n'est pas seulement lié, paraît-il, à la rapidité ou à la lenteur avec lesquelles on joue. Alors, on peut jouer plus vite, on peut jouer plus lentement, bien sûr. Les tempi, là où, oui, j'ai pas parlé des tempi, mais on peut jouer un peu plus lentement une étude de Chopin ou je sais pas, une sonate de Mozart, par exemple, un premier mouvement d'une sonate de Mozart, on peut la penser un peu plus lent. Un allegro, par exemple, voilà, c'est, en général, c'est plutôt allant. Bon, mais peut-être pour un interprète, cela sera un petit peu moins, mais... Là, encore une fois, ça ne peut pas aller au-delà d'un certain tempo. C'est-à-dire que si vous commencez à jouer un allegro, est-ce que c'était un andante, c'est-à-dire quelque chose de vraiment un petit peu allant, mais à peine, c'est plus un allegro. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est infime. C'est des choses qui sont très, très... qui ne sont pas forcément palpables pour le néophyte, mais voilà, ça permet en fait... d'avoir voilà, différents tempi, mais qui rentrent toujours dans le cadre quand même de ce que le compositeur a souhaité. Mais justement, est-ce qu'on sait, en voyant la partition, François Chaplin, ce que le compositeur souhaitait profondément ? On cherche. Ouais. On cherche parfois toute sa vie. Notamment, je pense à Schubert, que j'ai enregistré. J'avais enregistré il y a quelques années l'intégrale des Impromptus. Et à chaque fois que je retrouve ces partitions, que je rejouerai d'ailleurs l'an prochain, je redécouvre, en fait. Je redécouvre la partition. Et c'était quoi votre question, vous me disiez? Précisément, est-ce qu'on sait ce que veut le compositeur? Ah oui, alors, est-ce qu'on... oui, on sait... Sur le rythme, par exemple. On le sait, puisque... Enfin, on le sait. On se doute, en tout cas, puisqu'on a quand même plusieurs indications qui nous aident à comprendre en fait ce que le compositeur a transcrit. Donc quand c'est indiqué voilà le tempi allegro, les très souvent donc les termes sont en italien, donc espressivo, ralentir, tout ça ce sont des indications qui vont vous aider à construire votre interprétation. Donc vous partez pas de rien, si vous voulez. Donc, il y a une articulation qui est précise aussi. Vous avez, le compositeur va indiquer les liaisons, ou il va indiquer un point, c'est-à-dire qu'une note qui sera staccato, voilà. Tout ça, ça vous aide à comprendre. Donc, évidemment, que si vous ne respectez pas ce qui est indiqué sur la partition, le point, la liaison, les notations expressives, etc., vous êtes hors sujet, quoi. C'est comme dans un devoir de philo, quoi. Oui, c'est ça, on est hors sujet, quoi. Donc c'est important de... Voilà, c'est la première chose que moi je dis. C'est pour ça qu'un interprète reste un interprète, et c'est pas péjoratif, hein, je veux dire. Un interprète reste un interprète, mais il doit d'abord respecter ce que le compositeur a noté. Ensuite, au-delà des notes... Au-delà des indications, c'est l'interprète qui parle, et c'est là où c'est assez miraculeux, parce que c'est impossible à expliquer en fait. Mais quand vous écoutez un musicien, ou que ce soit même un violoniste, ou un orchestre, ou des orchestres différents, la couleur sera différente, et pourtant il aura respecté le compositeur, mais ça sera
il aura sa propre vision, il apportera sa touche vraiment personnelle, j'allais dire son âme, au fond. C'est ça, il apportera vraiment son âme. Est-ce qu'il y a dans les compositeurs que vous jouez, François Chaplin, des interprétations qui vous paraissent tellement sublimes qu'au fond, elles vous donneraient presque un peu, j'allais dire, de frustration en disant « je ne les atteins pas » ou « ça n'arrive jamais » ? Mais oui, mais je ne suis pas... Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, je me souviens, c'était maman qui m'avait acheté ça, d'ailleurs. C'était à l'époque des 33 tours. Et elle avait... c'était pour un cadeau de Noël, je me souviens. C'est drôle parce que ce sont des concertos que j'ai enregistrés après, d'ailleurs, avec l'orchestre de Besançon, Franche-Comté. Et ce sont des concertos de Mozart par Clara Askill. Qu'elle m'avait offert pour Noël, le 24e et le 20e. Et ça m'avait tellement marqué à l'époque, mais j'écoutais ça en boucle tout le temps avec le casque. Enfin, tellement ça m'avait marqué, je me disais, mais on ne peut pas atteindre, c'est la perfection, quoi. C'est la perfection, on peut pas, jamais je pourrais atteindre ce genre de perfection parce que c'est la grâce même, Clara Askill. C'est la grâce, vraiment, qui l'a touchée, quoi. C'est parce que la spiritualité est très importante pour moi dans la musique. Et on peut être croyant ou pas, mais c'est un autre aspect. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà, jamais je pourrais jouer ça. Puis bien plus tard, il y a quoi, c'était en 2017, hein, j'ai enregistré ces concertos, mais je les ai enregistrés, voilà, avec mon cœur, avec ce que je ressens, avec mon âme, avec mes doigts. Voilà, c'est pas du tout du Clara Askill. Il faut surtout pas essayer, d'ailleurs, de faire du Clara Askill, surtout pas. Mais oui, c'est vrai que quand j'ai écouté ces concertos la première fois, je me suis dit c'est la perfection. Autrement dit, c'est pas comme l'écrivain qui cesse d'écrire parce que Marcel Proust a existé. Ça n'est pas parce qu'il y a des génies qu'on n'espère pas l'être soi-même tout de même. Oui, après, est-ce qu'on cherche à être un génie? Je crois pas. Je pense que je pense que Proust ne savait pas qu'il était un génie. J'adore d'ailleurs, c'est vrai que c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup, et d'ailleurs, c'était amusant, on avait fait ça avec Didier Sandre, des correspondances dans la recherche du temps perdu. C'était très amusant parce que c'était un texte avec Madame de Cambremer, qui reçoit, je crois, sa belle-fille, et il parle de Chopin, etc. Et ce texte est d'une drôlerie, mais incroyable. Et je me souviens, et Didier Descendres était incroyable dans ce texte. Tout le public était complètement en délire. Parce que c'est tellement bien écrit, c'est incroyable. Et donc, c'était des pièces, je me souviens, je jouais un peu de Chopin et Debussy, parce qu'il parle de Debussy et Chopin dans ce. Voilà. Mais mais je ne sais plus ce que vous disiez, parce que je déborde un peu. C'est-à-dire qu'on pourrait être parfois freiné en se disant, il y a eu de tels génies que oui, parfois on arrête de jouer, mais ça n'est pas le cas. Non. Parce que pourtant, dans votre univers, François Chaplin, je suppose qu'il y a des maîtres, on pourrait presque dire absolus. Il y a probablement, pour l'ensemble des pianistes, des références totales ou pas? Ah oui, on a chacun nos références, mais on a tous, d'ailleurs, souvent, elles se rejoignent, hein, nos références. Moi, j'étais, Clara, on parlait de Clara Askill, c'est une pianiste immense que j'ai adorée. Claudio Arrau, qui était chilien, Nelson Frère, qui est disparu il y a peu de temps. Martha Argerich, aujourd'hui aussi, c'est des pianistes qui m'ont toujours inspiré. Et c'est des immenses pianistes, vraiment de vraies références, oui. Vous, à plusieurs reprises, vous avez évoqué vos élèves. J'ai l'impression que l'enseignement est, alors là, peut-être une deuxième passion pour oui, vous. Oui, ça ne l'était pas au début.
Ça ne l'était pas au début, c'était plutôt un gagne-pain. Quand j'ai commencé, au fond, c'était quand j'étais au conservatoire. J'étais pas tout à fait au conservatoire. Non, j'étais pas rentré du tout au conservatoire de Paris. J'avais 15-16 ans. Et puis, à cette époque-là, bon, mes parents traversaient une petite période un peu compliquée. Et donc, j'avais besoin de les aider à ma manière. Et puis, voilà, pour pouvoir me payer, avoir mon argent de poche, etc. Et puis. Et puis pouvoir aussi payer certains cours avec certains professeurs qui étaient un peu plus chers, etc. Et donc j'ai commencé à donner des cours, mais c'était comme je vous dis, un gagne-pain, et c'était pas vraiment loin de là, hein. C'était pas une passion, c'était des très très jeunes étudiants qui n'en avaient absolument pas très intéressé par la musique, hein. Au fond, c'était des parents qui obligeaient des jeunes enfants, etc. Et puis, bien plus tard, c'est devenu une passion quand j'ai commencé à enseigner à un très, très haut niveau. Le fait d'aborder le même répertoire que j'aborde moi-même, c'est devenu une passion. Et je trouve que c'est transmettre ma passion, mon savoir, je trouve que c'est une des plus belles choses, vraiment. Comment ça se passe un cours de François Chaplin, par exemple? Vous avez un compositeur, vous jouez vous-même ou vous écoutez les élèves? Comment ça se passe? Alors, j'écoute d'abord l'élève qui va me jouer sa pièce, etc. Parfois, il déchiffre la pièce. Donc, quand il déchiffre, je vais si je connais la pièce relativement bien, bon, je déchiffre plutôt bien. Donc, puis le répertoire, on le connaît assez bien en général. Donc, je vais d'abord lui jouer la pièce et puis. On va déchiffrer ensemble, on va être, je suis très rigoureux, hein, donc je parlais du texte, je le suis vraiment au début avec eux, en leur disant, mais ça tu respectes ça c'est un point, ça c'est une liaison, etc., ça c'est un piano, ça c'est un forte, et puis ensuite l'élève va travailler, et puis il va revenir la semaine suivante, et voilà, donc ça se passe comme ça, en fait, parfois c'est l'élève qui joue en premier quand il connaît bien sa pièce, et puis ensuite je reviens vers lui, et puis on travaille ensemble. Combien d'élèves par classe? Alors ça dépend des années parfois, mais là j'ai 14 élèves quand même. Ouais. Ouais. Donc c'est une belle classe. Et donc ça se passe très bien parce que au Conservatoire de Versailles, il y a une direction qui est vraiment merveilleuse et donc ils comprennent très très bien que des concertistes, je suis pas le seul, hein, au sein de l'établissement, évidemment on a besoin de jouer, donc parfois je m'absente quand je suis parti au Japon, donc je me fais remplacer en général, ou je remplace moi-même mes cours, mais parfois c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une différence entre les cours que vous donnez et ce qu'on appelle les masterclass, par exemple? Alors les masterclass, oui, c'est assez différent. Les masterclass, je les donne plus principalement à l'étranger, même si là, je vais en donner une cet été sur Schubert avec des étudiants du Conservatoire supérieur de musique de Paris. Ça sera à Pont-le-Voix le 30 juillet prochain, le matin. C'est près de Blois. Et donc une masterclass, c'est public. Donc ça, c'est la différence. Quand vous donnez un cours, c'est à huis clos. Et là, c'est public, donc c'est intéressant, mais c'est une autre manière d'enseigner. Il faut susciter l'intérêt auprès du public, donc peut-être avec moins de mots, j'allais dire entre guillemets savants, quelque chose de plus proche aussi, de que le public puisse comprendre. Et surtout, l'intérêt, c'est de quand vous donnez un cours. Pendant une heure, par exemple, il faut qu'au bout d'une heure, l'élève ait vraiment fait des progrès pour que le public s'aperçoive vraiment de la différence entre le début de la masterclass et la fin de la masterclass. Mais c'est passionnant. J'aime beaucoup les masterclass. J'en ai donné beaucoup au Japon. J'aime beaucoup ça. La vie d'un concertiste de haut niveau comme la vôtre, je suppose que vous voyagez énormément. Alors, j'ai très peu voyagé pendant 2 ans et demi, ouais. Cause Covid. Donc, c'était très dur, très, très dur pour nous, vraiment. En plus, moi, je ne suis pas du tout, je suis pas intermittent du spectacle. Hein. Donc, on avait absolument, c'était zéro, quoi. Qu'une aide pour nous, rien du tout.
Et donc, voilà, donc ça a été très dur, le redémarrage. Et ça le reste un peu. Ça le reste. Et quand on en discute avec d'autres artistes, d'autres amis, on s'aperçoit que ça n'a pas redémarré de la même façon qu'avant le Covid. C'est plus compliqué, les engagements sont plus difficiles. Mais oui, en fait, moi, c'est amusant parce que j'ai toujours, nul n'est prophète en son pays, mais j'ai commencé à jouer à l'étranger avant la France. Ça, aller comprendre, mais c'est comme ça. Mais souvent, hein, les Français. Et donc, j'ai commencé à jouer beaucoup à l'étranger. Et puis ensuite, j'ai été invité en France. Donc, l'étranger, c'est vrai que oui, c'était toujours marquant pour moi. Comment se répartit pour le grand pianiste les spectacles et les studios, enfin, je veux dire, comment, à quel moment, comment choisit-on d'enregistrer, est-ce qu'on privilégie les concerts, comment ça se passe? C'est pas l'agent qui décide à votre place, Non, par contre, il va nous proposer, il va nous dire, voilà, tu as un engagement de concert, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que, voilà, alors, il m'est arrivé de refuser un concert parce que le programme ne me convenait pas du tout, quoi. Mais par contre, il m'est arrivé aussi d'accepter que mon programme ne me conviennent, mais que je n'avais jamais travaillé ces œuvres, et puis j'avais largement le temps de les apprendre, et voilà, j'étais très heureux de faire ce concert. Donc ça se construit au gré de ce qui vous arrive, en fait, des propositions, en fait, des propositions qui vous parviennent, et puis les enregistrements, c'est quelque chose d'important, c'est vrai aujourd'hui, parce que sans enregistrement, c'est compliqué d'exister. Il y a une époque où c'était plus simple, peut-être, mais aujourd'hui on est dans une société où il faut le paraître est tellement important, le disque, en fait. Puis le disque a une vie. Le problème du disque aujourd'hui, c'est qu'il a une vie très très limitée, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, le disque n'existe plus, en fait. Les gens, ça se vend très très mal maintenant, le disque classique. C'est l'âge d'or du classique, c'était pour le disque, c'était dans les années 80, c'était incroyable. Je regrette d'ailleurs ces compacts, je trouve les pochettes des 33 tours qui étaient magnifiques, je veux dire, c'était des vrais livres presque. Mais c'est important d'enregistrer pour exister aujourd'hui aussi. Mais mes enregistrements ont toujours été guidés par un goût, un souhait de me dire, tiens, j'ai envie de... Et on ne sait pas pourquoi, parfois, on se dit, tiens, c'est maintenant que je dois enregistrer les impromptus. J'ai attendu très longtemps avant d'enregistrer Schubert, parce que pour moi, Schubert, c'était inatteignable. Il va tellement loin, en fait, dans l'interprétation, dans la spiritualité, que c'était, je ne voyais pas enregistrer ça avant 40, 45 ans, quoi. Et donc j'ai enregistré ces œuvres vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ça vient au fur et à mesure, en fait, de votre parcours, de votre vie, de ce que vous vivez aussi dans vos vies, dans la vie privée. Ça joue aussi beaucoup. Ce que vous venez de m'apprendre, François Chaplin, c'est le fait que lorsque vous allez faire des concerts, ça n'est pas vous qui créez le programme. On vous fait des propositions, si je comprends bien. On nous fait bien. Des propositions, et puis aussi, il y a les deux. Et puis il y a des organismes. Là, c'est un festival. Là, je joue le 12 juillet à Toulouse, au festival de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines. On m'a demandé un programme. Bon, c'est vrai autour de Chopin, mais c'est moi qui ai choisi les œuvres de Chopin. Mais quand je joue, quand j'étais invité aussi à la Roque d'Anthéron, là, je ne joue pas cette année, mais René Martin, quand il m'invite, il me laisse libre vraiment dans mon choix, et ça, c'est très agréable d'ailleurs. Il va peut-être vous suggérer une œuvre en particulier en vous disant, je sais que tu as enregistré ça, peut-être que tu pourrais jouer ça, etc. Mais il va pas nous imposer, en fait. Voilà. Et heureusement, d'ailleurs. Quel est votre futur artistique, si j'ose dire, là, dans les prochains mois? Donc là, je joue le 6 juillet, donc au festival de Chopin Bagatelle. Le 12 juillet, je serai donc
au Festival de Toulouse. Et puis, je suis après le 29 juillet au Festival de Pont-le-Voix, à côté de Blois, donc dans le Loir-et-Cher. C'est avec le pianiste David Gadouche. On va jouer, on parlait de Schubert, je vais jouer la Fantaisie. C'est une œuvre gigantesque, magnifique, à quatre mains. Voilà, le quatre mains encore, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est redoutable. Parce qu'on est très proche et c'est très compliqué. C'est un chef-d'œuvre, la Fantaisie de Schubert. Donc on jouera ça, on jouera un rondo également. Et puis le 1er août, je serai au festival classique, festival de Nice, au cloître de Cimiez. C'est un endroit incroyable, mais extraordinaire, tout en haut de Cimiez. Un cloître, donc, avec une acoustique. Donc on joue à 21h le soir. Il y a un petit peu de moustique, mais c'est pas très grave. Mais non, l'acoustique est fabuleuse. Et c'est avec... là, je vais jouer une suite de Rachmaninoff. La deuxième suite de Rachmaninoff avec Marie-Joseph Jude. Voilà. Pas d'enregistrement en vue. Alors, pour l'instant, si, j'ai un enregistrement qui est... Mais c'est un petit peu secret. Non, mais c'est compliqué, parce que, vous savez, la musique, quand vous commencez à dévoiler un peu les pièces que vous allez enregistrer, parfois, les choses... Bien sûr. Hein, c'est comme le... D'aucuns peuvent vous devancer. Eh oui, c'est ça, oui. Est-ce que... Imaginons une journée où vous n'êtes pas en partance, François Chaplin. Une journée de travail de François Chaplin chez lui. Comment ça se passe concrètement ? Alors, une journée de travail, d'abord, je ne vais pas... parce que très souvent, c'est vrai que le public peut penser qu'on travaille... un concertiste va travailler 7 à 8 heures de piano par jour. Non. 7 à 8 heures, c'est trop. On doit se nourrir autrement aussi. Et d'ailleurs, c'est Chopin qui interdisait, quand il y a un livre qui est magnifique, Chopin vu par ses élèves, et par Jean-Jacques Haigdelinger, et c'est un livre extraordinaire où on apprend que les élèves avaient noté que Chopin interdisait donc de travailler plus de 3 heures par jour. Ce qui est peu, en fait. Alors après, ça dépend du répertoire aussi, parce qu'il m'est arrivé au Conservatoire de Paris, évidemment, de travailler 6 heures, ou même quand je dois préparer un concert important, ou plusieurs concerts avec des programmes différents, ça suffit pas. Donc il faut travailler 5 heures. Donc je peux pas vous dire exactement combien par jour, une journée type, je peux travailler 4-5 heures de piano par jour. Peut-être un peu moins, mais dans ces cas-là, je vais bouquiner, je vais faire un peu de sport, parce que c'est important aussi de s'entretenir. J'ai adoré le tennis pendant très longtemps, mais malheureusement, je suis obligé d'arrêter parce que ça me fait des petits problèmes de lombaire. C'est pas l'idéal pour le piano, mais j'ai toujours été passionné par ce sport, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, je bouquinais. Bon, la cuisine un petit peu, bon, j'aime bien en tout cas avoir des repas avec de bonnes choses. Voilà, et puis aller voir peut-être un me promener, parce que c'est vrai que c'est important de marcher. Une journée type, ça va vous... Enfin, puis après, il y a plein. On a toujours pas beaucoup de choses à faire dans une journée. Surtout avec aujourd'hui l'ère des mails électroniques, etc. Oui. Donc, on est souvent répondre aux mails. Oui, voilà. Et à l'étranger, lorsque vous avez un concert le soir, vous jouez forcément dans la journée ou vous attendez le concert tranquillement ? Oui, je travaille dans la journée. Parce que ça, c'est un des problèmes. C'est que quand vous changez de piano tout le temps, vous ne jouez jamais sur le même piano. Ça, c'est un des problèmes. Le violoniste, il arrive avec son violon, le violoncelliste, et nous, on en change d'instrument. Donc, il faut se familiariser avec le nouveau piano. Et parfois, on a des mauvaises surprises. Donc, il faut qu'on travaille un tout petit peu plus pour essayer de modeler le son comme on le souhaiterait. Mais puis, parfois, on a de très, très bonnes surprises. On arrive sur des pianos absolument extraordinaires. Là, on est très très heureux, quoi. Mais c'est vrai que le piano est très très différent, donc on a besoin, quand on est à l'étranger, mais même en France, de travailler le jour du concert. Je vais répéter toujours, bien sûr, au moins 2 heures en général. Voilà. Par contre, quand vous êtes en tournée, par exemple, de concert, vous jouez le même programme.
voilà, vous n'avez, ce n'est pas nécessaire de travailler autant et vous avez juste, voilà, vous allez pianoter, enfin pianoter, vous allez travailler un petit peu, tâter l'instrument et voir, hein, voilà, à quoi il ressemble. Et... Vous pourriez vivre sans jouer du piano chaque jour ? Je me suis posé la question et je peux. De temps en temps, je peux. J'ai besoin de couper parfois. De couper. Ouais, j'ai besoin de couper complètement. Pour justement mieux retrouver mon piano, quoi, en fait. Mais c'est un peu. Vous savez, c'est un peu comme dans la vie privée. Hein. On a parfois, on a, avec la personne avec qui on vit, on a besoin de couper et de. C'est un peu, j'allais dire, notre piano, c'est un peu notre amant, en fait. Hein. Ouais. C'est mais, une forme de respiration. Exactement, une forme de respiration, et on a besoin, vraiment, c'est nécessaire, je pense. Et puis bon, voilà, je m'occupe de mes chats, par exemple, parce que je suis un mordu. Je pense que j'ai dû être un chat dans une autre vie, j'en suis sûr. J'aimais beaucoup Colette pour ça, parce qu'elle était... d'ailleurs, elle disait, c'était amusant, parce qu'elle disait du temps... le temps avec un chat n'est jamais perdu, en fait. C'est vrai. François Chaplin, je sais que c'est une question qui ne plaît pas, mais si vous aviez à retenir jusqu'à aujourd'hui le concert qui vous a donné l'impression d'être au sommet de votre art, est-ce que vous en avez un dans votre tête ? C'est compliqué parce que... Où vous avez été le plus satisfait de vous-même, même si vous êtes aux antipodes de la vanité. C'est vrai que c'est compliqué à dire parce que... oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, en fait, satisfait totalement. Mais il faut être aussi honnête. Et il y a des concerts où, c'est vrai, on en sort heureux. Et c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que quand on a réussi un concert, ça vous permet de rebondir sur le suivant. Parce que la confiance est très importante dans ce métier. Et si vous ratez un concert, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement bien préparé, ça va vous perturber la fois suivante. Donc, c'est très important. Donc, il m'est arrivé, en effet, d'être très heureux. La perfection, je pense, n'existe pas, de toute façon, dans nos métiers. Et c'est d'ailleurs... C'est ceci qui nous permet d'avancer toujours, d'être toujours plus haut, au fond. Sinon, voilà, on s'arrêterait dans ce cas-là. Donc la perfection n'existe pas, et tant mieux. Mais il m'est arrivé, en effet, d'être très heureux à la sortie d'un concert. Le dernier que j'ai donné à la salle Gaveau, j'étais très heureux. Ah, mais c'était tant mieux. Un concert que qui s'est bien passé. J'ai évoqué tout à l'heure, dans ma première question, en réalité, la passion qu'est devenue le piano pour vous à un certain moment. Et vous avez évoqué vos jeunes années. Au fond, cette passion, vous l'avez plus que jamais aujourd'hui. Vous pourriez vivre sans elle profondément. Est-ce qu'elle justifie votre vie ? Je pense qu'elle justifie ma vie, en effet, parce que je pense que je n'aurais pas été le même. Je ne sais pas ce que je serais devenu, mais je pense que c'est la musique qui m'a sauvé, au fond. De vous-même ou de plein d'autres choses ? De plein d'autres choses. De plein d'autres choses, de moi-même, en effet, mais de plein d'autres choses. J'aurais pu... je ne sais pas, je me souviens, j'ai fugué la première en sixième. J'ai pas été, d'ailleurs, j'ai redoublé ma sixième parce que j'ai pas été à l'école. En fait, je préférais, en fait, sortir dans la rue, me promener. Je suis un contemplatif, en fait. Donc peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je suis persuadé que la musique m'a sauvé, ça c'est sûr. Et qu'elle m'a permis de m'épanouir et de donner, en fait, pour moi, c'est une. Je parlais de spiritualité tout à l'heure, mais ça me permet de donner le meilleur de moi-même et de donner aux gens, en fait, qui en ont besoin, de donner, voilà, de moi, en fait, voilà, enfin, de donner, en tout cas, je sais pas comment dire, mais ce que les gens, en fait, soient heureux, en fait, voilà, quand ils sortent de mon concert. Merci beaucoup, François Chaplin. Merci, Philippe Bilger.